Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité, dans lequel nous avons battu Stan. Il reste plus que le corps de Stan ici. Et on va récupérer tout ce qu'il avait laissé sur lui parce qu'apparemment ça n'a pas sauvegardé. Comme à chaque fois, hein, vous vous en doutez. Hop, ok. Bon, maintenant, nous allons monter l'escalier. Voilà, je casse tout quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Grande potion de santé, je récupère. Merci à toi. Hop. Grimage de lune, pourquoi pas. Cessez de frapper Tweak. Je sauverai Tweak par tous les moyens. Dommage que Tweak ne vienne pas m'aider d'ailleurs. Boum. J'avais oublié qu'il y en avait une autre. J'avais complètement zappé qu'il y en avait 4. Ok, bon, ça c'est fait. Hop, allez. Parfait. Posture de renvoi. Raté. Il n'est pas mort malheureusement, dommage. Raté, 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 et pouf. Excusez-moi. Altération supprimée. Je vais donc devoir le frapper. J'aurais dû frapper avec le clic droit, j'étais stupide. Il est toujours en posture de renvoi, il est toujours en posture de renvoi. Alors, comment qu'on va faire? Je n'ai QED pour repousser les rats. C'est parti. Attention! Des rats! J'ai réussi. Ouh, c'est pas passé loin, j'ai l'impression. Boum! Celui-là, je l'ai eu. Non, ne me frappe pas avec ton gros bâton. Aïe, blam, le gros bâton. Le gros bâton, le gros bâton, boum. Voilà, bon. Kenny a survécu, une fois de plus. Capuche de nécromancie. Je reconnais la voix. Ça va, Tweak? Coupe à qui? God damn it. Peut-être que je peux envoyer... Peut-être que je peux envoyer... Non. Alors peut-être que je peux envoyer plutôt comment il s'appelle? Butters. Butters! T'es où? T'es là. Butters, est-ce que tu veux bien aider des amis? Non, tu ne veux pas. Ça m'étonne tellement pas de toi, Butters. Un Shin Pokémon, rien que ça. Come on. J'aime bien, c'est qu'ils ont mis carrément les décors et tout. Hein. Oui, on avait entendu, t'étais là. Hein. Ah non, c'est pas lui, je pense que c'était... Allez, vous n'arrivez pas à le battre, donc moi je vais le battre pour vous. Je les ai mis juste là. Ok, c'est parti. Hop, c'est bon, 4. Parfait. Hop, Butters, frappe. Ah, boum. C'est fait. Potion de riposte. Ok. Il est mort. Ah, j'en oublie toujours une. Il n'est pas mort, il a survécu. Il a survécu, et ben non. Boum. Ça c'est fait. Je suis un bon explorateur, merci. Merci Bill, merci Fosse. Ici il y a... Perruque de fossé. Fossette, bref, truc, bidule. Du coup il faudrait que j'aille là, non? Dans les toilettes des hommes. Des garçons, si vous préférez. Ok. Ok. La dernière. Ok. Damé. Why not? Hop. Allons-y. La suite. Ah oui, tout le monde est là, j'avais pas vu. Ok. Eh ben écoutez, on y va. Fourth grade, fifth grade. Qu'est-ce que... Oh merde, j'aurais dû leur parler avant, j'étais con, je croyais que c'était l'autre. Alright, Cal, you fucking asked for it. Go ahead and kick his ass, douchebag. New kid, Cartman is using you. Can't you see it? He's a manipulator. You're just jealous. Bah, c'est le roi. You picked me as a friend over you, Cal. You've got one last chance, new kid. Turn around and fight Cartman instead.
Do the right thing. Do the right thing. Let him rewash your brain, new kid. Attack him now. Make him shut up. It's not me you should be fighting. It's him. Kick his ass, douchebag. J'ai attaqué Kyle, je me suis mis du côté de... De Cartman. Allez. C'est parti. On s'était mis du côté de Cartman, on l'avait dit. Oui, tu vas essayer, tu veux dire. Voilà, bouffe-en. Non, pas shoot dans le bébé. Pas shoot dans le bébé, salaud. Raté. À mon tour. Bouffe. Non mais ça fait 1200, ça c'est pas suffisant. Raté. Tu es trop mauvais. Boum. Je repousse le vent. Je repousse le vent avec mes épées. Je l'ai eu. J'ai repoussé le vent. J'ai repoussé le vent avec mon propre vent intérieur. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Clyde, je m'en doutais. Tu nous as trahis. Greetings, humans and drow elves of Zarad. Clyde, he took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. Oh putain. Oh putain. I shall raise an army of darkness and kill the earth. Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth. Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. It's the Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of their power. J'avais complètement zappé ce truc-là, en plus. Il est épique. Bon. Il est temps de s'unir. Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Oh putain, je m'attends au pire. Oh, le pont-levis. Oh, le sac. Oh, le sac. Come and get it, losers. Oh, le sac. You see that, Clyde? You're lost in time and space. No, I'm not. Yeah, you are, asshole. Army of darkness, defend the fortress. Oh, le méchant. Oh, les malades. Ah la vache, il a réuni du monde, eh! Craig! Craig, you're on my side! You don't have authority anymore, the keeper of the stick said so. This can't be happening! God damn it! Ah, c'est épique, j'avais complètement zappé ce truc là! I'd love to invite you into my fortress of darkness, but I'm afraid you're too late! What do you mean we're too late? There you are, Butters! Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime! Oh merde! Past our bedtime? Dude, I'm gonna get it! Clyde, it's past your bedtime. Okay, coming, Dad. Bon, bah, il est temps de rentrer alors. Il est temps de rentrer, la journée se termine. Bon. C'est du niveau 12. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a eu, niveau 12? Niveau 12, niveau 12, niveau 12. Ouais, mais je sais pas comment ça marche. J'arrive pas à le faire fonctionner, ce truc-là, moi. C'est rigolo. Ouais. Ouh, ça a l'air sympa le dernier niveau. Ok, prenez l'école d'assaut accomplie. Bah écoutez, on va se rentrer. Nous sommes chez... Alors attendez, parce que nous sommes chez Clyde du coup. Du coup ça donne où? On est où? On est là, d'accord. Nous on est un peu plus loin normalement. Non, on est là nous, c'est là qu'on rentre. Ok, donc c'est sur l'est. C'est parti, sur la droite, parce qu'on sait pas trop ouais, dans quelle direction est la caméra finalement.
Battez Kyle. Rentrez chez vous. D'abord, on va rentrer chez nous, ce serait peut-être pas mal, hein. South Park, c'est tellement stylé de voir ça. C'est tellement stylé de vivre ça dans un jeu, c'est épique. Enfin. Avec la petite musique géniale derrière. J'ai vraiment hâte de voir le 2, là. Il y a 15 minutes de gameplay qui sont sortis. Dès que j'ai tourné ma deuxième vidéo de South Park, donc celle-ci, c'est la première. You missed the news. Looks like we're gonna have the country's largest Taco Bell in our new town. Mommy and Daddy spied on your Facebook page and saw that you're making lots of friends. Why don't you tell us about them? No? Okay, well it's late, sweetie. Head on up to bed and I'll be there to tuck you in. You won't make many friends doing that. Tu crois? Ew! Go on to bed, sweetie. Your mother said get to bed. Now do it before you get grounded. Bon bah j'y vais. Ils sont chiants mes parents, non. J'ai les pires parents du jeu. Pas possible! Nouveau message de Bill. Oh mon dieu, Bill! Comment as-tu osé? Hop, dans le lit! Va-t-il se repasser un truc en pleine nuit? Oui! Qui as-tu des tranquillités? Bien oui, bien sûr! C'est épique! C'est épique la tronche que je me tape! Oh, je les avais zappés! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, ok, bah tuez-moi, essayez. Essayez, nous verrons bien. Quoi? Mais ils ont genre 1500 points de vie? Voilà, retournez chez vous. Bah écoutez, attendez à faire un peu moins de dégâts, mais quand même. Ennemi imbattable, ennemi rétrécissable. Ah mon dieu! Non! Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Il est temps de me venger! Hop là, c'est parti. Concentration. D'accord, il est mort quand même. Promotion des synergies, what the fuck? Oh la vache! Oh, c'était violent ça! Gerbe autant que tu le peux et autant que tu le veux. Hop, c'est parti. Concentration aussi, d'accord, pourquoi pas. Il est mort aussi. Et l'autre aussi, d'accord, ok, pourquoi pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais why not. Ok. Croyez que toutes les potions de guérison sont des petites potions de guérison. Non, je vais arrêter de la faire, celle-là, elle est moisie. Ok, ils sont passés par le trou, je devrais pouvoir être en mesure de passer. Voilà, je passe. On va pourchasser nos ennemis quand même. Hop. Voilà donc ce qu'il y a dans mon mur. Et je suis mort, d'accord. Ok, ça met dans l'ambiance. En train de me dire comment je fais pour passer. Je passe sur le côté, tout simplement. Ça a été un truc pour grimper. Ouais, je m'en doutais un petit peu, à vrai dire. Et là-dedans, il y a... C'est un sac. D'accord. Un slip déchiré. Et une balle rebondissante. À moins qu'il faut que je la frappe comme ça. D'accord. Hop là. Lâche ce gnome. Et finalement elle est morte. Génial. Bah voilà. Voilà une belle action. Ah merde, il s'est encore enfui du coup. La suite. Non. Non, ça va. Je m'attendais à un truc un peu plus violent. Gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. Non, non. Non, j'aurais bien qu'on passe ça. Et lui, il continue à regarder. Oh mon dieu. Dieu merci, il n'y a pas d'interaction. Je voulais quand même le faire. Hein. S'il y avait l'interaction, je l'aurais faite. Hein.
Parce que voilà, on est tous comme ça. Hein. Hop, c'est parti. Du coup... Oui, d'accord, oui, c'est une échelle. Oh, le fond sonore est épique. Vêtements de gnome, tête de pioche gnome. D'accord. Oui, d'accord, en fait, c'est un piège que j'ai à peine vu. Why not? Non. Tu t'es coincé? Malin. C'est malin. Oh putain, la partie jambon qui continue derrière, c'est violent. Ok, donc je vais aller le taper, non, c'est ça? Ah bon, bah je le tape alors, y'a pas de soucis, hein. Oh là là, il s'était plusieurs dans le trou en fait. Ceci explique cela. Bon, ceux-là ils vont prendre tellement cher enseignement que ça va être rigolo. D'accord. Ok. Si, on y va, allez, un gros coup. Et boum! Raté. Oh la vache, il tape plusieurs fois. Boum! Ah la vache! Oh, ils font tellement mal! Attendez, peut-être que je remette mon armure aussi, ce serait peut-être pas mal. C'est une idée, n'est-ce pas? C'est une idée. C'est une idée, c'est une idée, c'est une idée. Où est-ce qu'elle est mon armure? Costume gothique, non, robe d'assassin non plus. C'est ça que j'utilisais? Ça me dit rien pourtant. 15% d'argent supplémentaire et j'ai pas mis les trucs costume gothique. Hop, on va retirer les trucs. Voilà. Alors là, ça c'est bon. Donc ce truc là, ça donne 15 points d'argent supplémentaire, d'accord. Non. Perd foi en l'humanité à chaque tour. Robe de druide, non. Robe de défenseur sacré. Y'a pas un truc qui confère des dégâts supplémentaires avec sur les gens en sang, littéralement. D'accord. Vampire d'absorption du voleur. Une attaque parfaite draine 50% d'une cible en sang. Voilà. Ça, c'est bon. Crac. Et donc, au niveau de tout ça. Ok. D'accord, donc non. 40% de dégâts en plus sur les attaques. Ok, on va mettre ça. Ici. Modifier. On va mettre. Full régène de pépé, on va mettre ça. Hop, et les gants. Gants d'alien, gants de gnome, non. Gants de hobro, non. Non plus. Non plus. 5% d'argent supplémentaire, peut-être pas. Gants gothiques, charisme moins 20, gants sorcier. 10%. D'accord, non. Pourquoi pas. Teinture, on va la mettre en noir quand même. Voilà, on est quand même un voleur, hein, faut pas non plus exagérer. Attaque corps à corps, j'aimerais plutôt l'attaque de type lancé, moi. Voilà, ça, parfait. Ok. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Pas mal rebondissante, elle fait plus de dégâts. Est-ce que je peux retirer le truc qui fait que... Ajoute un élément à l'attaque parfaite. D'accord, et ce truc-là, donc... Je vais essayer la super balle rebondissante. On va bien voir. Ah merde, ça m'a enlevé tout de mon équipement, d'accord, ok. Bah de tout le truc aussi, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ok, modifié. Renseignement, j'imagine que ça va être ça. Non.
Ça va être ça. Non, ça, ça, non. C'est celui-là, d'accord. On va essayer ça. Et ici, on va mettre, nous... qu'est-ce qu'on va mettre? Un truc qui fasse bien des dégâts. Ah, c'est... On va mettre ça. Hop, c'est parti. Ok, parfait, on est bon. On est bon. Hop. Oui, je suis trop con, en fait, j'avais juste ça à faire. Ça va être tellement rigolo. Et de une... Il m'en restera quand même une à abattre, c'est dommage. Hop les bouffes. Hop les, je te frappe. Et puis c'est bon normalement. Crac. Merde, j'ai pas équipé la l'arme, je suis con. Je vais pas m'attaquer en même temps, donc c'est bon. Ok. Hop, boum. Ça c'est fait. Ok. Ok, bon, disons, ça y va dur, hein. Sans vouloir être un poil dégueulasse. Si, en voulant être un poil dégueulasse, en fait, excusez-moi. C'est... Non, non, je voulais l'être, en fait. Ok. Pioche de gnome, la nouvelle arme. C'est pour monter, c'est pour monter, tout à fait. D'accord. Maintenant, je ressors par la prise, j'imagine. Ce qui va être terrible à regarder. Ne regardez pas, chers amis. Oh putain. Doggy Styles Forever, hein. Faut ouvrir ça par contre. Oui. Les lunettes de soleil, je ne peux pas passer. Je peux passer par là. Oula, ils sont là. Bah c'est pas plus mal en soi. Oui, c'est vrai que ce serait pas mal. Il y a la disparition du sorcier. Ok, salut les filles. Ouf! Ça c'était épique à regarder. Ça c'était épique à regarder. Ça c'était franchement épique. Ah j'adore cette balle rebondissante. Ah la vache, j'ai pas vu le petit cercle. M'en fous! Oh la vache. Oh, ils ont changé de position l'espace d'un instant, c'était pas plus mal qu'on l'ait pas vu. Du coup. D'accord, des dents de gnome. Apparemment ça porte chance. Non, c'est pas le bon. Casque slip. Oh putain. Casque slip. Je peux pas allumer ça? Non. Oh la gueule, ah oui effectivement, ils sont pas. Ils ont changé de position. Non, pas dans le lit, s'il vous plaît. Oh putain. Et ça insiste dessus. Hein. Oh la gueule. C'est débile. Le vrai pouvoir, t'as raison. Oh la musique. Ah trop tôt. D'accord. Oh la vache. Il m'a pété les couilles, oui littéralement, ouais. Ah ça me fait qu'un coup du coup, oui d'accord. Oh la vache, il fait vachement mal. Potion, c'est terrible avec la musique, c'est impossible de se concentrer. Hop, voilà, ça fait du mal par où ça passe. Ah putain. Ça passe tout seul. Ah la vache. Bouffe. Du coup, si je pouvais te mettre un peu plus de saignement, ça serait cool. Mais ça ne sera pas le cas, du coup je vais t'attaquer dans le dos. Hop, 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 boum. Ça vient droit sur nous, what the fuck. Oh non, pas ça. Oh la vache. Ah puis il y a une belle tache de sang. Est-ce qu'on retente un coup de quelque chose? Une agression.
Hop, merci. Pioche cassée de gnome. D'accord, il a résisté, j'imagine. Lévitation. What the fuck? Raté! Tu es trop mauvais. Je l'ai vu venir à 3 km en attaque, par contre. Ah, boum! 201, c'est tout, la vache. Cible de rétrécissement. Qu'est-ce que... Raté! Tu es trop mauvais. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Bouf! Hop les... C'est fait! T'aurais dû passer plus de temps à voler des slips. Oh mon dieu, mais cet écran de combat! Ne regardez pas! Oh la vache, et bim! Oh, c'est dégueulasse! Oh, blablabla! J'espère que ce n'est jamais arrivé à aucun d'entre vous, chers amis. D'avoir rétréci en pleine nuit, d'être allé sur le lit des ébats de vos parents, et de faire écraser par les couilles de votre père, ou par le sein de votre mère. Franchement, j'espère que ça ne vous est pas arrivé, parce que je sais ce que ça fait, et... Non, je rigole. Non. Ça, on l'oublie quand même, hein. What the... Yo. Hey kid, since a lot of our best guys are dead by your hand, can you help us collect underpants? We just need a few more to hit our quota. Mais j'ai déjà fait. Holy shit, bah oui, j'ai déjà fait. This goes a long way toward making up for killing all our fucking friends. 5 slips, ça suffit. Cool. Cool. On a pas besoin de prendre tout ça, ok, donc je peux prendre... C'était quoi le truc du coup? J'ai pas vu. Ah, c'était là, d'accord. Ok, hop les. C'est génial, je suis tout petit, c'est trop cool. Et donc, est-ce que je peux me noyer dans la baignoire? Dis-moi que je peux me noyer dans la baignoire. Non, je peux pas me noyer dans la baignoire, dommage. Mais j'ai déjà fait les slips. Attends, on va regarder les quêtes quand même. Voilà, j'ai déjà fait. Ok, bon. Allons-y. Hop. Alors vous, je veux pas vous parler, si possible. Ah, il m'a demandé un ami. Hop, les. C'est parti. Bon, bah la suite alors. Ok. Une aventure nocturne, ma foi. Qu'est-ce que... Il est tout petit aussi, lui, d'accord, ok, pourquoi pas. Bah écoutez, on va refaire toutes les maisons, du coup. Enfin, tous les trucs où on pourrait avoir du petit. Je sais qu'il y a un trou quelque part, normalement, mais... Mais alors, où? Pas par là, alors. Imagine que c'est à l'autre extrémité, c'est pas grave. Aussi, il faut qu'on aille... Ah oui, faut qu'on aille aussi à la... À l'école. Faut qu'on aille à l'école, chers amis, récupérer le... Attendez, je sais plus, justement, si on l'a pas déjà fait, justement. Ah, il nous en reste plus qu'une, en fait. Il nous en reste plus qu'une. Le plat de poutine dans les cavernes foutantes. Haha. Bon. Bah du coup... on va peut-être retourner chez Clyde. Parce que vous en pensez. Yo. Hey, you're getting popular. I need to get in on that. Ouais, ce serait pas mal, effectivement. Bon. On se fait des copines, tout ça. Voilà. Je savais qu'il y avait un trou quelque part. Hop. Gants de magicien, grimage de fée, perruque de Lolita, clé de la chambre des parents de Stoli. J'imagine qu'on est chez Stoli. Allez, voilà, merci. On sprint, hein. Parce que voilà, on est tout petit, mais on est rapide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, je suis là. Merci. Oh, mais on n'est pas passé par là. Ah, c'est pas cette chambre là alors. C'est pas cette chambre là. Ce n'est pas cette chambre là. Stoli. C'est qui Stoli? C'est qui Stoli? Merde. Allez, sprint, c'est bon. Hop. C'est qui Stoli? Oh.
Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, peut-être que c'est chez lui. Y a pas le nom quelque part. Attendez, peut-être que dans les amis, on peut peut-être le voir. Collectors, amis. Est-ce qu'il y a moyen de déplacer le bouton? Oui. Kevin, d'accord, c'est chez... Alors du coup, ouais, j'aurais bien aimé voir si on peut savoir où est-ce qu'il habite ou n'importe quoi. Non. Faudra s'en souvenir. Bon. Tous les trucs qu'il y a du côté Star Trek. Oh là là. Je sais plus. Je sais plus du tout, chers amis. C'est verrouillé, donc déjà, ça c'est pas bon. Kelly Gardner, d'accord, elle veut même pas me parler. Bah écoute, va voir ailleurs si j'y suis. Ok, là aussi, ça peut pas me parler non plus. Le respect dans cette ville! Ok. Ah, ça serait bien lui. Il y a des mégazords, il y a un truc sur une planète. La maison est bleue, comme son costume bleu de Spock. Ok, ça serait bien lui. Oui, c'est lui. Ok, c'est parti. C'est parti! Boum! Voilà. Je suis petit mais violent. Ok. Ah, ça fait un bruit de sas. Badge de fédération. D'accord. Hop. Ce sera mieux si on est gros. Un grand. Faux crâne, d'accord. Puce électronique. Pourquoi pas. C'est juste ça. C'est moins bien que ce que j'imaginais. Soyons honnêtes, hein. Pour le coup, je m'attendais à mieux. Bon. Bon, bon, bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Je pense que ça fait à peu près une petite demi-heure qu'il a commencé. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop !